Tu passes ton permis à Noisy-le-Grand, cette vidéo elle est pour toi. Tu vas voir ici un élève à moi qui n'a jamais passé le permis de conduire et qui a obtenu le permis du premier coup. Il a fait à peu près 30 heures et je vais te montrer les parcours types que tu peux faire à Noisy-le-Grand. N'hésite pas, like, partage, mets-moi un commentaire si ça t'est utile. Il y a un partenariat avec Boursobank, tu peux aller faire un petit tour, tu as un code promo et avec le Lusier Assurance. C'est parti. On va s'arrêter là. Donc le départ et le retour du départ du centre d'examen de Noisy-le-Grand, c'est ici. C'est assez vaste. Il y a au bas mot 7-8 parcours possibles sans les mélanger. Tu peux vraiment aller à droite, à gauche, puis là-bas au rond-point, à droite, en face ou à gauche. Tu peux vraiment aller partout. Okay. On va débuter tout de suite, pas par de la voie rapide parce qu'on vient d'en faire, mais on va faire un parcours type et puis si on a le temps d'en faire deux, on voit. D'accord ? Ok. T'es prêt ? Ouais. Parti pour une conduite hors agglomération. Je te rappelle que tu as déjà ta date, tu passes ton permis ici avec moi. Que ta date a été changée au dernier moment, que tu n'es jamais venu ici d'ailleurs, c'est la première fois. Et on va voir ce que ça donne, comme si tu passais le permis aujourd'hui. C'est OK ? OK. Allez, c'est parti. Par l'intersection, nous tournerons à gauche. Allez. OK. Je vais faire ça et après, tac, tac, tac. Ouais. J'ai changé d'avis, on va à droite, d'accord ? Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, le plus dur, c'est d'aller à droite. OK. Donc autant aller à droite dès le début. Voilà, très bien. Donc, première chose, bien s'arrêter au stop. Au moins 2-3 secondes, regarder et repartir. Prochaine intersection, donc nous irons à droite. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Il est arrêté, normal. Ouais, je tout va bien. Ok, on va débuter la conduite autonome. On va suivre la direction de Paris. Entendu. Suivra la direction de Noisy-le-Grand, Grand Mondest. Mondest. Ensuite, à l'intersection, donc, nous suivrons la direction de Villiers-sur-Marne, Armoirie, c'est à gauche.
c'est la sortie là-bas. Ah, c'est la sortie. Voilà, parce que je sais qu'elle est un peu floutée ici, celle-là. Voilà, et à la prochaine, donc, devant, nous irons toujours tout droit. À l'intersection, nous irons en face. En face. Entendu. Oui, parce que quand on sort, techniquement, on est placé à droite. Alors, je sais pas. Alors là, moi, je vais te dire que nous allons aller toujours tout droit, d'accord ? À toi de voir comment te positionner pour aller tout droit. Voilà, très bien. Un effet de groupe. Tant que c'est pas dangereux, ça va. Pas de problème. On suit Villiers Centre. Ouais. Toujours tout droit, s'il te plaît, d'accord ? Bien entendu. Ok. Alors. Maintenant que tu es là, tu es là. Mais normalement, tu aurais dû te mettre à droite. Tu te rappelles ? Oui. Le zigzag, c'est pas une voie de bus. C'est juste l'endroit où le bus charge ou décharge. Mmh. D'accord ? Il n'y a pas des gros pontiers par terre. Mmh. Tu vas rester ici maintenant, puisque tu y es. Et devant toi, au feu, nous allons débuter la conduite autonome. Nous suivrons la direction, les stades. C'est-à-dire que à partir de là, tu suivras toujours les stades. Okay. D'accord ? Suis le panneau les stades, c'est indiqué devant toi. Voilà. Et tu suivras toujours les stades. Jusqu'à ce que je te dise, ok, arrête, on ne va plus au stade. Okay. Voilà. On va aller doucement ici, tu peux y aller. Voilà, va doucement. Voilà.
toujours tout droit. Eh bien, je reprends le guidage. Bravo, félicitations, tu n'étais jamais venu. Tu as bien trouvé l'itinéraire, les stades jusqu'au bout. Donc à partir de là, je reprends le guidage. Mm-hmm. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. En peinture. On ira à gauche. J'allais piler. Hein. J'ai failli piler. Ah, j'ai failli ouais, piler. Ouais, je le sais, je l'ai. J'ai failli piler parce que tu peux pas couper la route. Hein, de bah ce non, qui non, non, droit. Je sais. On stop, nous irons. À gauche. Et qui, ce stop n'existait pas avant. Ouais. Donc voilà, ça fait un certain temps, peut-être. Il y a un an, il n'existait pas ce stop. C'est sûr, mais peut-être même il y a 6 mois. Et la route ici était éclatée, défoncée, elle était. Elle a des trous partout, elle était minée. Oui, ça a bien changé, effectivement. Ils ont refait toute la route, les chaussées, les trottoirs, ils ont tout refait. Et à l'intersection. Nous irons à droite. Ou le pape, c'est le genre d'endroit où les gens peuvent absolument, débouler. Absolument, c'est totalement ça. À l'intersection, nous irons en face, s'il te plaît. Okay. En face.
l'intersection, on ira à gauche. C'est plutôt en face, tu vas t'en rendre compte. Ouais, ok. Là. On ira à droite ensuite. Non, à droite, parce que j'ai envie d'aller à droite. S'arrêter là, tu vas te garer à droite là s'il te plaît, tu me fais un créneau à droite, clignotant s'il te plaît, merci, tu vas te garer à droite ici à allure lente en toute sécurité, ok, ok. Assez vite. Tout le temps. Voilà, n'hésite pas à communiquer avec les gens si c'est nécessaire, d'accord? C'est à leur faire des gestes, des signes, n'importe. Je vais faire ça normalement. Bien, c'est parfait. Mmh. Tu remets les roues droites. Point mort frein en main. Tu vas me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Et coupe le contact, hein, sinon. Et, hop, voilà. Ça, c'est réglé. Voilà. Les deux derniers du compteur, numéro du compteur kilométrique. 26. Voilà, et donc ça serait la question 26. Je vais te poser des questions comme ça, rapide au d'accord. hasard. Montrez-moi l'éthylotest. Dans le dans l'habitacle. Il y a un éthylotest qui est supposé être quelque part, ouais. Où est-ce qu'il est? Dans la boîte à gants. Ah, il est pas dans la boîte à gants. Non. Non. Mais il doit être accessible facilement. Ici.
Voilà, effectivement, donc c'est ça. Donc c'est obligatoire, mais sa présence aux forces de l'ordre n'est pas verbalisable. Donc en gros, c'est obligatoire, mais tu l'as pas, on te met pas de sanction. D'accord. Voilà, donc tu peux le ranger. Ensuite, les feux de détresse, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Et dans quelle situation peut-on les utiliser? Quand on est arrêté en pleine voie, quand on voit qu'il y a un fort ralentissement devant nous, et qui va provoquer un écart de vitesse assez important entre les véhicules devant et les véhicules derrière. Mmh. Quand on est sur la bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Quand on est arrêté. En fait, n'importe quelle situation où on est arrêté ou on ne devrait pas être arrêté. Ok. Ça marche. Ça marche. Ok, on peut repartir. Ok. Bon, c'était juste histoire de meubler, hein, parce que franchement, en vrai, voilà, c'est pas forcément ces questions qui sont là. C'est juste pour te dire que voilà, en gros, quand tu t'arrêtes, tu vas passer 2-3 minutes avec l'inspecteur où il va te poser des questions bien précises que tu verras un peu plus tard, parce qu'on a le temps. Et qu'il faut que je t'envoie le PDF d'ailleurs. Ouais. Et je sais pas si tu avais dit CVR du château. Ça dit quelque chose, CVR du château? Non. Ok, donc je vais te l'envoyer. Et du coup, qu'ensuite, bah, tu repars. Okay. Et on repart. On ira à droite. En face, toujours tout droit. À l'intersection, on ira en face. Et ensuite, on revient à droite au parking et c'est fini. On serait revenu au départ du centre d'examen, ça a duré 25 minutes. Okay. Avec des questions, on va s'arrêter. Avec des questions de vérification très rapides, mais en vrai, ça aurait duré 27-28 minutes maximum. Okay. Voilà un parcours type du centre d'examen de Noisy-le-Grand. J'espère que ça va t'être utile. Oui. T'as pas fait de grosses erreurs, à un moment t'as failli couper la voie là, mais j'ai pas freiné, j'ai mis le pied devant, j'allais piler. Non, donc analyse bien la situation, attention à tes placements. Ouais. D'accord, quand tu sors, essaie d'être toujours bien à droite. Ouais. Aucune erreur éliminatoire à proprement parler. Le parcours, comme tu as pu le voir, c'est très différent de Créteil, mais il y a aussi des particularités, tu vois. Tu n'as vu qu'une seule partie et c'était un parcours plutôt difficile. On peut éventuellement en refaire un autre rapidement ensuite avant de s'envoler vers Paris.
Ok. Ok. C'est bon pour toi? Super. Top, bien. Voilà, c'est parti. Hop.